On va voir maintenant comment ajouter des vidéos comme celle-ci et celle-ci dans Joomla via l'extension qui s'appelle Page Builder. Pour cela, je vais aller voir mon article, l'article que je vais modifier, c'est la page d'accueil. Elle est divisée en plusieurs sections, des colonnes, etc. Je l'ai déjà fait parce que ça correspond à ça. Donc sur la page d'accueil, j'ai fait une colonne, un trait, deux colonnes, une image, un texte, un trait, une colonne, etc., etc. Et tout en bas, j'ai rajouté une section vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette vidéo, rajouter deux colonnes et mettre deux vidéos qui proviennent de YouTube. Pour cela, donc j'ai été dans mon article qui s'appelle accueil. Sinon, il y a une autre méthode, on peut éventuellement faire composant, page builder, page manager, et là j'ai l'article directement à l'intérieur. Si jamais il y en a plusieurs, ça peut être plus facile. Je clique dessus, ce qui revient complètement au même, et je vais chercher l'endroit où il y a ma vidéo. Je vois que c'est marqué vidéo ici, donc c'est bien ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer et recommencer à zéro. Je supprime tout. Et là, je vais rajouter une ligne horizontale à gauche qui contient deux colonnes, 3, 4, etc. Donc là, en fait, je vais prendre deux colonnes. 1, 2. Je vais rajouter une ligne supplémentaire que je vais passer au-dessus. Ici, je vais mettre un titre. Pour que ce soit plus joli. Je vais mettre en tête ici. H2, c'est plus simple. Le titre est placé à gauche. Je vais le centrer. Style. Alignement. Centré. J'enregistre. J'ai mon titre. On voit pas trop bien ici à quoi ça correspond. Donc on peut éventuellement changer ça, ce sera quand même plus sympa. Vidéo. Et là je mets vidéo, c'est plus facile pour la maintenance de votre site. Un petit accent. Vidéo. On a repris ce titre. Là comme c'est marqué vidéo, c'est plus facile pour retrouver après cette affaire. Ici, je vais rajouter une vidéo. Et une vidéo ici. Pour ajouter un élément, pour le modifier, je clique sur ajouter un élément, le petit plus qui est en bas. Clique là, puis on s'aperçoit qu'on peut installer un certain nombre d'éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vidéo, et ça tombe bien, à vos pas. Ici, nous avons une partie vidéo. Ok, cette vidéo, elle provient de YouTube. Elle pourrait être locale ou elle pourrait provenir de Vimeo. Je clique sur YouTube. Voilà. Cette vidéo, je vais aller chercher sur YouTube la première et je copie l'adresse URL de ma vidéo. Ok. Je retourne dans Joomla et ici, je colle l'adresse de ma vidéo. Et j'ai une pré-visualisation de ma vidéo ici. Pour que ça soit plus sympa, je vais rajouter le titre de ma vidéo ici pour pouvoir plus facilement me souvenir de la source. Et je clique sur sauver. Donc en fait, j'ai mon titre vidéo et j'ai ma première vidéo. Je vais en rajouter une deuxième. Soit je peux dupliquer, positionner ici, oups, voilà, cliquer dessus et modifier l'adresse, mais pour la formation, je vais la supprimer et recommencer à 0. Je clique sur ajouter un élément, puis je vais chercher mon module vidéo. Je dis que c'est
que ça provient de YouTube. Je vais chercher mon deuxième exemple. Je prends mon titre. Je mets mon titre ici. Je me mets sur le lien. Le lien, c'est l'URL qui se trouve là-haut. Copier. Coller. Hop. J'ai ma prévisualisation ici. Et j'ai mes deux vidéos ici. Je clique sur enregistrer. Et pour voir si ça a marché, je clique sur ma prévisualisation ici. Mon lien de prévisualisation. Je descends.